Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4, thé, pudding and camembert, toujours pour vous servir avec le signe noir. Bonjour tout le monde. Et donc on en était dans notre super guerre de coalition, la Normandie est redevenue normande, l'Armagnac est toujours disputé, enfin plus trop maintenant en fait, et c'est surtout l'Autriche que je voulais dire qui est disputée. Et c'est là que tout va se jouer, du rouge. Ouais, l'ancienne province bourguignonne, on va dire, un peu en galère. Mais je pense que ça devrait bien se passer. Du coup, on a quand même 32 scores de guerre. Est-ce qu'il serait ok pour une paix? Non, mais pas loin. Pas loin, bon bah... Ils sont à moins 47 contre 53, un truc du genre. On va remonter un peu avec nos 2000 portugais collés aux fesses, là. Voilà, la petite armée autrichienne ne s'est pas fait stack-wipe et se replie tant bien que mal. Où est le Normand? Je suis planqué, je suis en train d'aider au siège. Ah oui, t'as 45 000 hommes. Oh, putain, ça doit piquer l'attrition. Hein. Ouais, je viens de le faire il y a pas longtemps, mais voilà, mon but c'est d'accélérer le siège. Et bah ça a marché. Ici, il y aurait peut-être moyen. Alors je pense qu'il y a pas mal de troupes cachées là. Ouais, non, on va plutôt aller nettoyer le... Les gens qui se disent qu'ils vont reprendre le chartrain là. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je fais le siège de Calais, au cas où. Alors ici on va les choper. Alors il y a moyen qu'il y ait du monde qui vienne par contre. Ouais, je peux redescendre s'il y a... Non, non, bah il y a 32 000 Castillans qui arrivent, donc je pense que même s'ils veulent venir faire chier... Ça va être déjà une belle baston. Qu'est-ce que c'est? Ça plainte de la population. La Nobaïs s'est gagné une réputation d'avidité et de cruauté. Les habitants se sont rassemblés pour exiger son renvoi. On le bute ou on perd un instable? On le bute. que te dire, mec? Tu... Non. Tu vas gentiment aller te faire décéder. Bon, on a quoi? On a une malus de traversée. Oh, et l'Autriche qui arrive. Pouf, la bataille de Paris, c'est fait. Hop là. On a perdu que 8000 hommes en plus. Bon, on est à zéro de réserve de nouveau là en projeté. On peut prendre une nouvelle doctrine, on peut prendre un marchand de plus. On prend un marchand de plus ou on prend un état de plus? Ah, vu qu'on va pas pouvoir faire beaucoup d'états, on va les faire tout de suite. Hein. Hop, et Sligo va gagner, je pense, un petit siège au Parlement. Hop, voilà. Alors faudrait probablement que je cherche les provinces, les plus efficaces, etc. pour mettre des sièges, mais pour l'instant je suis plutôt en mode... On va faire demi-tour là, parce qu'il va peut-être avoir besoin d'aide là, le Castillan. Ça va être chaud. Ah putain, qu'est-ce qui se passe? Blanc bonnet blanc. L'ami de Anne reste comme conseiller à la cour. Ou alors, on va lui demander de travailler plus. Non, on va gagner des points. C'est chaud, mais ça peut le faire. Ils sont 63 000 en face, si les 33 000 là viennent pas, vu qu'il y a l'Autriche ici. Non, putain, il va perdre juste avant que j'arrive, ce con. Oh oui, c'est passé de justesse. This is beautiful. La coalition de 40 000 qui écrase 60 000 personnes. C'est beau, hein. Bon, il y a encore du fight, hein. Il y a des gens qui sont en train de venir. Il y a bien moyen que tu... À mon avis, je pense que tu pourrais mettre fin à la guerre. On a gagné quasiment 10% par rapport à tout à l'heure. Mais bon. Est-ce qu'il n'y a pas des batailles? Ouais, on pourrait faire une paix blanche. On pourrait prendre des sous. On pourrait prendre un petit peu de sous. Combien de sous on pourrait prendre? Si tu veux durer encore un peu, moi, ça me gêne pas. Hein. On pourrait prendre 13. Waouh. On pourrait presque donner la bourre à la Castille, mais bon, c'est pas trop le trip. Si on s'arrête là avec 13 dessous sur une paix blanche, tout le monde est content. La Normandie est contente, la Castille, l'Aragon, tout le monde est content. On pourrait s'arrêter là-dessus. Tu veux. Moi, c'est pas de... Si tu veux mettre fin, moi, ça me gêne pas. Attends, quand j'ai fait suggérer des termes... Il me met 10... Pourquoi il met 10 alors que je peux aller jusqu'à 13? Moi, ok. Bizarre.
Qu'est-ce que je vais regarder un peu qu'est-ce qui se passe, qui se déplace dans quel sens. Là, ça se replie. Là, on a 17 000 hommes qui vont vers nous. Ouais, on a moyen, je pense, de gagner là. Juste pour voir, mais je pense pas, hein, mais du coup, si tu peux pas déclarer la guerre aux Valois, même si l'Autriche est avec nous, ça marcherait pas. Je sais pas, Ah hein, je oui, pose la ça se question. tente. Non, nous ne pouvons pas déclarer la guerre à un membre du Saint-Empire si nous sommes alliés à l'Empereur dans le cadre d'une guerre en cours. Ils sont malinx. Ils sont pas si bêtes. Expulsion d'administrateurs. Toutes ces personnes qui sont expulsées vers la colonie de Plaisance ne sont pas que des gens du commun. Nombre d'entre eux sont occupés des fonctions importantes dans l'administration de la province de Calaisis. Alors, plus 25% d'autonomie locale ou perte de 1 sur la valeur fiscale. Ah bah non, 25 d'autonomie locale, pas de problème avec ça. Voilà, les mecs ils se jettent sur nous, on est 67 000, je pense que ça peut passer. Ils sont 14 000, voilà, ils ont perdu. On va commencer du coup peut-être à bouger un peu. On n'a plus de réserve, hein, donc ça pourrait avoir le coup d'arrêter là, hein, franchement. Ouais, vas-y. Claquer de la réserve pour rien, là on a gagné cette bataille, on va pouvoir prendre peut-être un peu plus. Est-ce qu'on peut prendre genre des réparations de guerre? Non, ça passe pas. De pas loin, mais ça passe pas. Après, la Lorraine, c'est que fait quelle taille la Lorraine? C'est quoi la Lorraine déjà? La Lorraine. Ouais, les réparations de guerre de la Lorraine, ça va pas être fifou quoi. Hein. Non, on va prendre les sous, voilà, ça fera 5 de sous. Oui, bah écoute, une victoire prestigieuse. Qu'est-ce que quoi? Suggérer? Ah, on peut demander que l'Armagnac libère l'Orléans, relibère l'Orléans. Ouais, mais c'est quand même de l'autre côté de la France, donc ça sert à rien. Non, c'est pas grave. On peut y aller comme ça. Allez, on prend 30. Sur cette somme, on en obtient 11. C'est pas mal. Ouais. Hop. Voilà. Tiens, mange ta guerre punitive. Et pourtant, on avait moins de troupes, hein. Eh ouais, pourtant on était pas trop dans le bien au début, hein. Ah bah après l'Autriche, ça a tout changé, hein, clairement. Je crois. Là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Vous regroupez-vous là et faites donc une petite neutralisation. Alors du coup, on va rappeler les mecs qui faisaient des. Qui faisait des, comment ça s'appelle, des revendications juste pour les sièges. Hop, voilà, on fait ça. On va vous envoyer des renforts, les gars, le temps que le bateau qui était, je sais plus où, arrive. Ah non, ils sont déjà arrivés, c'est le temps que les troupes arrivent en fait. Autant pour moi. Le Portugal est descendu à 85 de prestige, hein. Il y a peut-être moyen bientôt qu'on lui cale une petite succession contestée sur la tronche. Ce serait sympathique. Ah bah oui, tu m'étonnes. Pour reprendre une doctrine. Alors, des marchands supplémentaires. On va prendre le marchand, hein, très bien. Pas de problème. Est-ce qu'on peut le foutre déjà là-bas? On est en trêve jusqu'en encore 4 ans avec la France. Intéressant ça. Ouais, c'est tout Suisse-Brabant. naze. On va le poser là. Ouais, on va l'envoyer là pour avoir un peu plus de puissance ici. Alors, au niveau des rebelles, comment ça se passe? Ici, ils sont contents, mais pas trop. On va se foutre là. On va s'entraîner. Est-ce qu'on peut mettre assez de troupes ici? Ah, 26, un peu tendu. On a zéro de manœuvre, donc on peut pas se mettre là. Il nous faut un endroit plus efficace. On va aller là. Lothian, ça gueule pas. Ici, ça gueule pas. Ici, ça gueule pas. Bah, c'est où que ça gueule? Ah, c'est plus haut que ça gueule, ouais, pardon. Ouais, donc on va rester là. On s'entraîne ici. C'est parti. Les revenus, ça se passe bien. Donc, il faut qu'on fasse des troupes. Pour faire des troupes, faut faire des bâtiments.
C'est un peu de la merde, mais on va prendre quand même. Il nous faut une armée. Bon, pas que ça va nous servir des masses, hein, techniquement, une armée, quand, si on joue la colonisation, mais... Ce serait quand même assez intéressant d'avoir des mecs à envoyer au maximum partout où on peut. Quand est-ce qu'on développe un colon? La guerre des paysans en Armagnac. Bah dis donc. Coût de l'expulsion des minorités, moins 100% la prochaine doctrine. C'est bon ça. La réforme divisée en Suède. Stockholm se convertit à la foi réformée. Bien, bien, bien. Ça approche, ça approche. Ouais. Alors ça, non, c'est de la merde. Et du coup, est-ce que je pourrais pas faire une revendication sur la Norvège maintenant? Je peux, non? Ah, je peux faire ça. C'est fort intéressant. Reviens-toi. Sur la liberté de la Suède, 80%. Ça finira peut-être par éclater aussi, ça. Et on pourrait la soutenir, hein, si on voulait. C'est vrai. En plus, c'est un rival, le Danemark. Bon, on va attendre d'avoir refait quelques réserves quand même. Ne faisons pas n'importe quoi. Ici, on va peut-être se diviser en deux. On va envoyer une armée là. On va reprendre un autre commandant parce qu'on est pété de points. Oh là là, pff, oh, ces commandants en enfer quoi. Et on va faire de la neutralisation des rebelles dans le coin. Voilà. C'est parti. On va consolider un coup aussi. Alors, hybride extérieur. Ici, on est à 0,7 partout. Les hybrides extérieurs, c'est ce truc-là. C'est un état, ça. C'est un état. Est-ce qu'on a un truc qui fait que ça gueule moins? Non, hein, c'était un truc de la première ère, je crois. Bon, ça rapporte rien du tout. On va leur lâcher. Merde, j'ai réduit l'autonomie, j'ai pas augmenté. Oh, pardon, excusez-moi. Bah, du coup, ça va gueuler plus fort. Bah, voilà. Ça vous apprendra. Ça rapporte 0,05 au lieu de 0,01 et ça va péter plus vite. Ça pétera plus vite. J'avais jamais vu que même si t'as des bonus pour prendre les technologies avec le temps, elles coûtent plus cher. Ouais, et. La jauge limite monte, ouais. C'est vrai. J'ai jamais fait gaffe. Bon, si on voulait monter ici, il nous faudrait 153 pour lancer la construction. Bon, les bourgeois nous kiffent, les clercs nous kiffent. Il faudrait qu'on arrive à monter encore. C'est quoi le point d'équilibre? Il a 52-20 le point d'équilibre. Ici, il a 63. Est-ce qu'on pourrait leur faire un truc intéressant? Perte de 5 de contrôle, ouais, bof. Non. Mécénat. Non. Coût des conseillers diplomatiques, ça on a déjà pris. Efficacité commerciale, libre entreprise. Ça c'est juste pour leur donner un peu plus de trucs. Pourquoi pas? Coup de dev des carrefours. Ah, c'est vrai qu'on peut, faire des carrefours commerciaux. On peut améliorer les carrefours commerciaux aussi. Coup de toutes les puissances plus 5%. Ah, ouais, bof. Flotte commerciale privée. Ça y est, je suis tech 9 partout. Ouais, bien joué. T'avais toujours place, ça. Ouais, je pourrais quasiment prendre la technologie 10 militaire, mais bon, 45%, on va attendre un peu. Ouais, ouais, je pareil. J'attends moi aussi. Qu'est-ce que tu fais toi? Reviens, tu ne fais rien, j'aime pas les gens qui font rien. Est-ce qu'on a des revendications ici? Oui, on a des revendications ici. Ah, notre amiral est décédé. C'est bien triste. On peut pas refaire d'autres revendications sur le Danemark. Ah bah voilà, on a besoin d'un... On a besoin d'un nouveau mariage avec l'Autriche. C'est parti. On prend. L'Écosse, j'imagine t'es allié à des gens. Ah, la Frise, ok. Coup de... Putain, mais c'est la teuf par contre la...
La doctrine. Attends, mais je gagne combien de points en. 14 points par mois en admin, en diplomatique. Wow, la vache! Ah ouais, c'est la fête. Il nous faudra une doctrine militaire. C'est quand la prochaine? C'est la prochaine tech. Ok, parfait. On va commencer à économiser un peu, peut-être. Bon, encore que 45%. Ça va péter combien? 7K quand même, hein. Oh, ils iront s'en occuper, pas de soucis. Le Parlement, c'est quand que ça se passe? Jusqu'en dans 2 ans, on va pouvoir poser une loi. Parfait. On construit une caserne, très bien. Au niveau des bâtiments. Calais, c'est un état ou pas? C'est complètement un état, Calais. On va leur claquer de l'autonomie. Pas de raison de se faire chier. Fin de la guerre des paysans en Armagnac. On peut prendre une tech! Ah oui, la tech militaire. On a des nouvelles. Des nouveaux canons et des nouveaux chevaux. Mais bon. On va pas le faire tout de suite. À la place, on va claquer un peu de répression, du coup. On peut pousser à la révolte, tiens. Je me souvenais pas qu'il y avait cette option. Pousser les gens à la révolte pour qu'ils ils explosent directement, quoi. Alors, on claque un peu dessous, pas de problème. Bon, du coup, c'est en train de baisser, donc on va s'entraîner avec cette armée-là aussi. Ça devrait même pas remonter en fait, c'est bon. Ah, si, sans recalcul, ça remonte à 60%. On va s'entraîner jusqu'à ce que ce soit à 80. Alors, est-ce qu'on fait un dernier état? La Castille a déclaré la guerre au Maroc, très bien. Ouais, on voit que c'est rentable, hein. Ici ça coûte déjà 0,16 et ça. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi certaines de mes provinces n'ont pas été légitimées? Ah, j'ai fait l'état? Ah bah j'ai fait l'état, bon bah ok, j'ai fait l'état, pardon. Excusez-moi. Du coup, on va essayer de trouver une province intéressante où foutre. Alors, niveau de développement. Lothian, Essex, Calais. Il y a un siège pour du Parlement à Calais? Allez, on va donner un siège au Parlement à Calais. Hop là. Bon, normalement, là, on a tous les états qu'on peut faire. Il restera cette petite merde là. Année exceptionnelle. Modif national d'impôt plus 50%. Ah bah oui. Carrément. Carrément quoi. Ah ouais, on passe de plus 10 à plus 16 quoi. Ça fait plaisir. Ah! L'Ottoman m'a déclaré comme un rival. Pourquoi pas? Bah fais donc ça. Bon, l'objectif ce sera d'améliorer mes navires aussi, parce qu'il faut quand même qu'on reste un peu près au taquet quoi. C'est quoi? C'est ouais, c'est mes navires lourds qu'il faut que j'améliore en plus. C'est pour ça que ça coûte une blinde. Oh, c'est intéressant ça. Ce serait gourmand, mais. Est-ce que je claque du blé pour construire alors que je dois économiser? Non, allez, on va essayer d'économiser.
Alors là, est-ce qu'on a suffisamment pour faire une petite revendication sur cette petite crotte? Oui. Hop. Mort d'un marchand. On prend la thune ou on a quelqu'un qui apparaît. On prend la thune. 167, on prend la thune. Hein. Alors on va garder notre diplomate au Danemark, parce que je me dis que dès qu'on commencera à avoir un petit peu de troupes, on va pouvoir soutenir la Suède, qui est redescendue à 50% d'ailleurs. Mais si elle a moyen de s'énerver un peu la Suède, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on peut savoir s'il est en train d'intégrer des trucs? Il est en guerre. Ok, il est en train de conquérir des trucs comme partenaire mineur, allié. Accès militaire. On dirait pas qu'il est en train de l'intégrer, hein. C'est plutôt cool. C'est combien qu'il me faut ici? 357, bientôt. Tu es toujours avec nous Je suis toujours là. C'est un peu calme, hein. D'ailleurs, oui, passe, ouais. Je repasse en vitesse 3 peut-être. Ah oui, j'avais même pas fait gaffe. Je me disais, bon, ça avance doucement, mais doucement quoi, mais oui. Tout m'étonne. Bon. Fais chier la contrebande. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors attends, les bourgeois accroissent de 2 leur contrôle sur le pays, ils gagnent 15 en loyauté. Et on gagne ce qui veut dire qu'ils vont passer à genre beaucoup et qu'on va pouvoir leur claquer de la confiscation de terre. Mais oui, mais complètement. 2% et en échange, on en récupère 3. J'aime cette idée. Hop, voilà. On accroît un petit peu notre mainmise sur le pays avec presque 40% quand même, c'est propre. Et le mois prochain, on améliore nos bateaux. Hop, c'est parti. On est à peu près safe niveau guerre, donc pas de raison de s'emmerder. Youpi, j'ai un héritier, même s'il est faible. On fera avec. T'avais un... Ouais, on avait déjà un mariage. Hein. Ouais, ouais. Non mais il est pas mort hein, mon gars, mais j'ai un héritier qui est apparu quoi. Par contre il a 0, donc 65 ans, 0. Ça pue le conseil hein. T'as pas de femme? Non. Merde. Enfin maintenant oui. J'en avais plus là, maintenant j'en ai une. Ah oui, donc ce sera une régence. Ce sera une régence. Bah peut-être pas du coup. J'en sais rien. Bah non du coup, oui t'as raison, si j'ai une femme elle va peut-être monter. Ouais, on va prendre lui. Plus 10% de réserve, ça veut dire que ça va remonter un peu plus vite aussi. Bon, je claque mes points là, je pourrais peut-être améliorer des endroits avec mes points militaires aussi. Bah moi je l'ai fait parce que j'étais dans le... Il me disait que ça y est, j'arrivais au bout de ma limite. Bah moi je claquais pour faire des répressions implacables, mais bon. Là je commence à être... à refaire un peu mes réserves. Tiens, là il y a du fer, hop. Parti. Là il y a du fer. Hop. Voilà. L'Autriche influence plein de gens. Ouais, l'Autriche. Bon, elle nous kiffe hein, pour l'instant, mais il y a un moment où ça va devenir un problème. Hein. Ah oui, c'est sûr. Très clairement. La France fait des réseaux chez nous. Et ben écoute. Bah, c'est ce que j'allais dire. 1516, la France, je dirais pas non, moi. Elle est alliée à qui la France? La Suisse et le Brabant? Elle a la Provence comme vassal. Ah, la Suisse ou le Danemark, écoute, je me suis en train de refaire doucement mes réserves, c'est pas fou, mais y a moyen. Bah, comme tu veux, hein. Après, la France, c'était juste pour le faire avant que... Bah, la Suède est redescendue en dessous de 50%, donc... Avant que l'Autriche se décide à passer à l'action. Ouais. Bah elle est en trêve avec la même trêve que nous, donc dès qu'on approche de juin 1516, faut être au taquet. C'est ça. Ce serait pas mal, je pense. Mais
mes possibilités de m'étendre vont se réduire après grandement. Ouais, c'est clair. Après, on pourra réenchaîner sur l'Armagnac éventuellement, mais pour peu qu'il les rentre pas dans l'Empire. Bah, hein. Puis après, faudra attendre le bon moment, quoi. Ouais. Après, techniquement, si on jette un œil là en speed, au niveau puissance, l'Autriche est devant moi. Mais si on se met à deux, je pense que voilà. En termes d'armée, l'Autriche c'est 93 000 hommes. Ah, je suis à 55, ouais. Toi t'as combien de limites? Normandie 24. Ouais, non, il reste quand même. C'est ça. Reste quand même puissante, surtout avec le Saint-Empire derrière, quoi. Elle est alliée à Salzbourg, Blérance, Mulhouse. Bon, elle est alliée à des petites merdes. Donc si on pouvait emmener la Castille et le Portugal, ça pourrait passer. Mais ça serait une guerre pas facile. Et en plus, on serait considéré comme des gros connards, hein, accessoirement. Le monopole sur la laine, oui, on prolonge. Ah, on peut faire une proposition de loi. Alors attends, je vais regarder vite fait ce que je peux faire. Alors, on accroît la valeur fiscale de base de 1 dans une province et les constructions coûtent moins 5%, pas mal. On a un général qui apparaît, coût des conseillers, vitesse de recouvrement des marins ou de compte conversion culturelle. Bon, on va prendre la valeur fiscale. Hop, 40%. Promouvoir, perte de 1 en métroquiniste. Concession au clergé. Les clercs gagnent 2 en influence. Bah oui, on fait carrément des concessions au clergé, on s'en fout. On claque du point d'influence sur le pape. Bah oui. On fait complètement de. On claque complètement de l'influence sur le pape. Un petit peu d'autonomie à Paul. Ah putain, ça suffit pas quoi. Allez, c'est parti. Et Tyrone a gagné 1 de valeur fiscale brute et nos comptes construction sont réduits de 5%. Parfait, on va pouvoir investir un peu. Ça c'est de la merde. On pourrait faire des trucs navaux, des marchés, bof. Tribunal, c'est pas dingue. Bon bah ça c'est pas mal, hein. On va faire ces deux là. Hop, c'est parti. Bon du coup, ah bah j'allais dire on va rappeler le mec au Danemark, juste à ce moment là il se fait repérer le con. On va l'envoyer en France plutôt. Et on a bientôt terminé la colonisation de Plaisance, qu'est-ce que c'est que ça? L'armée royale. Oula, instituons l'armée royale. Ou alors, mieux vaut instituer l'amirauté. Gagne 2 en professionnalisme, nanana, prestige tiré des batailles terrestres. Bah non, instituons l'armée royale. Ah oui, on est passé au premier niveau de professionnalisme. Bien joué. Établir des régiments d'élite. Go. On a des régiments d'élite maintenant. Je vais m'approcher de Paris du coup. Pareil, on va arrêter l'entraînement et on va débarquer au Bessin. Hop, c'est parti. Alors nos bateaux, ils étaient améliorés au fait, ouais. On est passé à des caracs maintenant. On a une petite flotte, mais je pense que c'est quand même l'une des plus puissantes du coin. Hein. Oh, on peut prendre l'Empire mondial. Et terminer les doctrines d'exploration. Bon, on fait ça, ouais. Hop. On gagne relation diplomatique plus 1, modif de limite navale plus 25%, et on peut faire des revendications outre-mer maintenant. C'est très très bon ça. Bon, on a claqué nos points, mais ils vont remonter vite. C'est très 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 bon. Commence à descendre toi en attendant que la flotte débarque. La connaissance, c'est le pouvoir. Je le prends. On a des points militaires à claquer, donc on va pas se faire chier. Hop là! La France, ça représente quoi, du coup, pour l'instant? C'est plus rien, la France. Ah, c'est quand même 30 000 hommes. Hein. Avec 47 000 de réserve, surtout. Ah, moi, ça me dit 19 000 hommes. Oui, c'est au maximum, ouais. Là, je regarde la limite, ah, toujours. Oui. Toujours la limite.
Ouais, Mais oui, 19 000 hommes actuels avec 47 000 de réserve, il va les prendre ces 29 000 hommes. Oui. Même l'Éthiopie est plus puissante que la France, quoi. Ah merde. Ça fait mal au fion quand même. Oh, bah tu me diras, elle est balèze l'Éthiopie, hein. Elle a bien blobé, hein. Mine de rien. Au niveau colonisation, il n'y a personne qui a commencé à coloniser l'Afrique, là? La France qui est un peu présente, mais alors très peu. Ouais, elle est là, ouais, sur l'Argouin. Et après je vois rien. Enfin je vois en bas jusqu'à la Côte d'Or, là, Côte de l'Or, et après je vois plus rien. Bah pareil, je vois par là. On va peut-être se refaire un petit explorateur, hein. J'ai de quoi faire des bateaux. Au niveau limite, je suis à 40 sur 57. Pff, voilà. On va faire trois petits bateaux. Hop, hop, et hop. On va recommencer nos explorations. Pendant que nos troupes arrivent là. Qu'est-ce qui branle les bateaux? Colonie autosuffisante. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? On a expulsé une minorité. Donc la province de Calais a été déportée. Et celle-ci est désormais peuplée d'une population anglaise qui accroît le développement de 1-1-0. Parfait, bon débarras. C'est cadeau. La trêve avec la France a expiré. Expédition de pêche. Ok, le poisson coûte un peu moins cher, mais on est bien. Du coup, j'ai bien envie de m'étendre par là. Parce qu'on m'a dit que Guespeg était beaucoup plus intéressant que le reste. Hein. Hop, le faire C'est parti. revenir. On va envoyer nos mecs là. Comment ça, Et tu du peux coup, on va pas. voir ce que ça donne. Pourquoi tu peux pas traverser là? Ouais, tu passes par ici. Ah, c'est parce qu'il faut que je demande un avis de passage là. Ah oui, il faudra que j'explore en fait. Est-ce que je peux prendre un conquistador? C'est parti. Je prends juste un conquistador en speed pour pouvoir explorer Vas-y. les territoires. Voilà. Avec un conquistador, on peut passer sur les territoires aborigènes comme des gros connards. Concept toujours fort agréable. Alors, on va rappeler un diplomate en speed. Alors, je le sais bien, c'est que notre expansion agressive est toujours porcine, mais on va y aller comme des sagouins, hein. Pas de stress. La France, déclarer la guerre. Alors, comment ça se passe? Certaines flottes ne sont pas à l'abri des ports, on s'en branle. On prend Paris. On prend Paris. Oh bah maintenant ouais. Objectif prendre Paris. Nous pouvons user de cet objectif de guerre notre dépendance normande. France est alliée à Suisse et Brabant qui viendront. Intervention certaine de la Provence qui a le statut de dépendance de la France. On a 28 000 hommes en face, 10 000 cavalerie, 3 000 canons pour 104 000 réserves. On a 98 000 réserves. On peut appeler l'Autriche si on veut. Oh bah oui. Mais est-ce que ça vaut le coup? Mais je ne sais pas. Honnêtement. La Castille viendrait pas? Non, ni la Castille ni le Portugal, ils sont déjà en guerre contre le Maroc. La Castille a déjà une trêve avec la France. Ah bah oui. L'Autriche pourrait venir Bah... pour rien, enfin pour 10 points quoi, mais est-ce que ça vaut le coup J'ai envie de te dire qu'on devrait pouvoir gérer, hein, mais bon. Actuellement, on a déjà plus de troupes qu'eux et en plus quasiment autant de réserves. Non, bah au pire, tu pourras peut-être les appeler dans un second temps, non? Je sais pas si Ouais, je les appellerai tu... si On est jamais on voit que dépassé. ça part en couille rapidement, mais. Bon, bah je pense qu'on peut faire ça au prochain épisode, du coup. Ouais, tout à fait, on peut s'arrêter là pour cet épisode et on se fait ça le prochain. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas cet épisode c'était un peu plus calme, si on exclut le début de fin de guerre. Mais Ça bon, va? bah, il faut que ça se passe, comme dirait l'autre. Exactement. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Bah non, c'est toi qui fais la outro, Damned, je t'en prie, fais Ah l'outro, ouais, c'est vrai, Damned. on y pense jamais. Alors bon, bah, je vais prendre le relais sur ce que tu as dit. Alors n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. À vous abonner si c'est pas déjà le cas, mais on sait que vous êtes déjà tous abonnés. Enfin, c'est quand même. On le devrait même plus dire. C'est pour ça qu'on le dit même plus. Je vois, je Il n'y a que vois. des abonnés. Il n'y a que des abonnés. Et puis, ben, prochain épisode, prochaine histoire, prochaine guerre, la prochaine fois. À plus les gens. Merci à toutes et à tous.